Salut gens, c'est Ben25, aujourd'hui me revoit notre compagnie pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo marquera le premier épisode du walkthrough, je sais pas comment on dit en anglais, mais, enfin, walkthrough que je vais faire sur Harry Potter à l'école des sorciers. C'était un walkthrough que j'avais envie de faire, donc j'avais déjà envie de faire un walkthrough et j'avais envie de le faire sur ce jeu parce que d'abord moi je suis un fan d'Harry Potter, pas un super gros fan mais je suis fan quand même. J'ai eu les livres et puis j'ai vu les films. Donc j'avais vraiment envie de le faire. Surtout que moi j'ai déjà joué aux deux. Harry Potter, la chambre des secrets. On parle sur Skype. Je peux pas faire une parole. J'ai déjà joué au deuxième. Harry Potter et la chambre des secrets. Là je vais commencer le walkthrough sur le premier. Donc c'est parti, on va dire que c'est une partie. Hop. Alors je vais laisser les cinématiques. Hein. Ah, il a dit Potter. Oh non. Potter quand même. Oui, PSG, moi j'y ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai joué aux deux mais pas au 1. Dommage qu'on puisse pas jouer les séquences dans le chemin de traverse. Un petit peu déçu, moi. Désolé si vous trouvez ça un petit peu long. Hein. Fondor. Oh, c'est une comédie. C'est épique dans le film comédie. Alors, il faut mieux t'envoyer à Fondor. Ouf. Ouh là là, c'est moche. Enfin, c'est normal pour l'époque, mais. C'est moins de bonne, c'est de moins bonne qualité que le 2, hein, ça c'est sûr.
petit peu chelou le Dumbledore. Hein. Bon, je vais juste voir si je peux pas augmenter un petit peu là. Couleur, on va essayer de mettre en 32. Alors attention, le jeu va sûrement crasher. Enfin, en tout cas, il va avoir un gros bug. Donc je vous préviens. Donc c'est parti. Ah, ben voilà, ça a été assez rapide du coup. Alors j'espère que ça va. Oh. Ah, déjà, hop. Ouais. Attends 10 secondes. Oula. Oula, attendez, il y a des touches un peu bizarres. Je modifie tout ça. Ça, c'est bon. Accélérer. Oh, vas-y. Tiens, c'est bizarre, le chevalier dans le 2 il bouge pas. Wesley, oh non. C'est Weasley, pas Wesley. Oh là là. Bon, j'espère que vous apprécierez hein, ce walkthrough. Walkthrough. Je visite un peu. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont préservé le même. C'est le même château que dans le deuxième. Enfin, en tout cas, dans le deuxième, ils ont pris le même château que dans l'un. Attends. Option. Voilà. Wow, c'est bizarre les touches, c'est pas du tout pareil dans le 2. Tiens, il donne pas des bonbons là. Bon alors, hop, on va visiter un petit peu. Ok, ça va, c'est ça. Est-ce que c'est exactement ça, je sais pas. Mais ça a l'air d'être à peu près pareil que de le. Oh le bug. Voilà, donc je disais dans le 2, ça va, ils ont gardé à peu près le même même Poudlard que dans le 1. Donc en gros les dragées surprises de Bertie Crochu c'est la monnaie du jeu. Oh, c'est un peu bizarre. Ok, donc c'est un jeu très sympa, vous allez voir. Donc je pense que je ferai le 2 aussi. Quand j'aurai fini ça, je ferai sûrement le 2. Je verrai. Genre comment ils sont téléportés ici les gars. Ah bah Peeves là-bas. Peeves ils sont pas. Il est pas présent dans le film, c'est un esprit. Comment il dit, c'est un esprit frappeur, un esprit. Ouais, en gros c'est un méchant esprit quoi. On l'a vu dans la cinématique, je peux vous le dire, mais pas si vous l'avez vu. C'est un vieux gars quoi qui fait que de te faire chier. Attendez 2 secondes. Voilà. Ah, c'est bizarre les touches. Je vais m'habituer, je vais m'habituer. Tu vois. Voilà. Pif, j'esprit frappeur. Compris. Ouais, un petit passage de plateforme pour bien commencer le jeu, ça fait toujours plaisir. Ah, j'ai balancé un sort à la gueule, moi.
2. Ok, ça va pas marcher, bon, pas grave. Yo, yo. Par contre, les doublages sont pas super. Hein. Ah, ça n'a pas l'air exactement pareil que dans le deuxième. Dans le deuxième, les dragées, c'est en gros c'est la monnaie du jeu. Donc vous pouvez l'utiliser pour acheter des ingrédients pour des potions, des balais magiques, tout ça. Là, ça n'a pas l'air d'avoir la même utilité. On verra bien. Hein, on verra bien. Après, je sais pas combien de temps je suis de vidéo. De toute façon, ce que je fais, c'est que. Ce que je vais sûrement faire, c'est je fais des sessions, si vous voulez. J'enregistre et puis ça va pas forcément être un épisode, j'enregistre pendant un certain nombre de temps. Puis après, je découpe ça en 15 minutes, vu que c'est le format maximum, enfin c'est la maximum de temps pour sur YouTube. Et puis je vous supplie ça. Ah, là-bas, là, il y a une choc-grenouille. Qui nous sert à récupérer notre énergie. Hop, voilà. Donc vous voyez en haut à gauche, énergie. Encore des trajets. Ça y est, j'en ai plus de 25 là. Trajet. Voilà. Ouais, pépé, je t'ai pas dit de monter là. On peut toujours pas casser les pots? Non. Parce qu'il va nous falloir un. Ça, c'est un fantôme. Ah, merci les gars. Alors les cartes des sorciers et sorcières, enfin les cartes magiques des sorciers sorcières célèbres, c'est des cartes qui vous servent en tout cas dans le 2. Je sais pas si c'est exactement pareil là, mais donc dans le 2, quand vous avez 10 de bronze par exemple, quand vous avez 10, là je sais pas s'il y a de catégories, mais dans le 2 vous avez les catégories bronze, argent et or. Donc les or bien évidemment sont les plus rares à avoir. Ah, le gang de Malfoy. Ouais, est un connard. Malfoy, oh non. Malfoy. Bon, ça ils disent bien Goyle, crabe, ça va encore. J'ai vraiment une gueule de merde, Drago. Donc comme je disais, vous avez les catégories pour les cartes et quand vous avez 10 de bronze, et ben ça vous rajoute une unité d'énergie. Donc on va en haut à gauche. Ruzard, le concierge. Ok. Oh, grand G. Alors ça c'est le pire. Grand G. Granger, pas grand G. Oh là 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 là. Je vous dis là. Les doublages sont pas.